Tous ont été affectés par la guerre. Aucun coin du monde n'y a échappé. L'esprit humain nous a poussés à combattre en des endroits où nul ne s'y était risqué. Dans l'école des Alpes comme dans les cieux, nous y sommes parvenus. On a dit que cette guerre mettrait fin à toutes les guerres. Mais je me demande si l'ambition de l'homme et sa soif de destruction disparaîtront un jour. Tu es en haut ? Tout va bien ? On t'attend pour couper le gâteau. Waouh ! Elles sont incroyables ! Oui. C'était une époque incroyable. Cet uniforme t'allait vraiment bien. Ce n'est pas moi. C'est Matteo. Oh, bien sûr. Désolé, papa. Prends tout le temps que tu veux. Non, non, c'est bon, tesoro. Il est temps que je te raconte ce qui s'est passé. C'était lors de notre dernier combat ensemble, à peine quelques jours après notre 21e anniversaire. Le bataillon de mon frère avait reçu l'ordre de capturer un fort enfoncé dans le territoire ennemi. Je ne suis pas parti avec lui. Je faisais partie d'une unité spéciale avec une mission différente. Notre objectif était de soutenir le bataillon de Matteo. Nous étions une unité très fière. Nous changions le cours de la guerre pour l'Italie. Les Arditi. Montagne en éliminant tout ce qui pouvait menacer son unité. Tu viens juste de commencer ton histoire et j'ai déjà peur pour toi. Mais non, je portais une armure. En plus, les Arditi étaient de fiers engagés volontaires. On était prêts à donner notre vie pour l'Italie. Une église se trouvait sur notre route. Les troupes ennemies l'avaient fortifiée. Impossible de passer sans les affronter. Ich bin voll der Schmerz.
Des lance-flammes. Il ne restait plus que quelques fantassins, les derniers à éliminer avant de reprendre l'église. Dirigeait toujours vers le fort. Oui, je devais faire tout mon possible pour qu'il l'atteigne. L'ensemble de l'offensive italienne était en danger à cause de cette pièce d'artillerie. Je devais absolument la neutraliser. Ah!
Il n'y avait qu'une seule solution pour assurer la sécurité de mes hommes. Faire sauter le canon. Mes yeux, cette explosion fut l'un des plus beaux spectacles de cette guerre. Mais il n'y avait pas un instant à perdre. Je voyais un canon anti-aérien sur la crête suivante qui abattait nos avions. C'était ma prochaine cible. Austro-hongrois était posté au canon. Si je voulais pouvoir l'utiliser, il fallait d'abord que j'élimine ses servants de canon. J'étais seul contre un escadron entier de bombardiers, et il fallait que je les abatte tous. On n'avait aucun renfort. Si ces hommes étaient tués, notre progression s'interromprait totalement. Et j'aurais perdu Matteo. En voyant les premiers avions tomber,
Les autres se sont mis à m'attaquer. Mais je devais défendre Matteo. Je ne pouvais pas lâcher prise. Sécurité sous ton armure? Bien sûr, bien sûr. Rien ne pouvait la briser. Et alors, les avions ont fait demi-tour.